Bonjour à tous, c'est Revanzmille et bienvenue sur Hearthstone pour du classé. J'évite de parler d'ordre dans mes vidéos parce qu'après je finis toujours par me planter d'une manière ou d'une autre et ça je vais essayer d'éviter, donc voilà. Surtout aujourd'hui. Normalement le son devrait y être sur la vidéo, je regarderai après celle-ci. Ouais, ça a l'air de correspondre avec le... avec OBS, donc on va voir. Et merde. 23, et il est combien? 6, 9. Oh, loup de givre, pas mal. Donc on dégage Torissan et Alexstrasza, on est plus tranquille comme ça, on garde les petits murlocs. L'adversaire est en train de choisir. Salutations. Bonjour. Je joue Murloc. Youh! Qu'est-ce que c'est? Ouais. Une espèce de E bizarre. Bon. Ouais, bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va être juste sur mon Murloc. Nah. Pas de tour. Non, le Murloc, le deck Murloc est un bon... C'est un bon essai à faire, c'est sympa, c'est rigolo à jouer. Bon, contre les decks contrôle de créatures, ça se fait ouvrir très rapidement. Il suffit d'arriver à noblesse suffisamment de créatures rapidement, de serviteurs adverses, surcharge, c'est normal. Et lui, il a l'air de... Ah, ouah, c'est fort là par contre. Ça a l'air d'être full contrôle, donc ça va être un peu compliqué. Comme ça, ça me fera piocher, c'est parfait. J'ai pas suffisamment de sorts pour l'instant pour pouvoir l'utiliser de manière fiable. Mais c'est pour la pioche, parce que j'ai rien en main. Et du heal, c'est... Du heal pour des 1-1, c'est parfait. Ça me sert beaucoup. Ça sert vraiment. Non, ça sera pas utile. Non, je réfléchissais à un truc, si je pouvais tenter de sortir le truc pour les Murlocs là. Celui-là qui agit avec les Murlocs. Tout est vraiment génial. Écoutez, pour chaque Murloc contrôlé, j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir lancer au prochain tour. 3 cristaux de moins, c'est pas mal. Ouais, en gros, ça te permet de jouer 2 cartes gratos quoi, ça sert pas à des masses. 2 cartes pour le prix du... Bon. Ok. Super. Super. Ah, je vais pouvoir booster mes Murlocs. À toi. Ah, il s'appelle votre adversaire, d'accord. C'est bugué ou c'est moi? Je joue contre votre adversaire en classé. C'est une IA? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une IA, c'est pas possible. J'ai pas de rang, je comprends pas là. C'est moi ou c'est mon écran qui est bugué ou je sais pas. Alors, 4 Murlocs, hein. Ok. Ça le fait pas pour moi, c'est dommage. Attendez, faut jouer garde OBS. Ah, c'est bien votre adversaire, c'est fou. C'est foireux son truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Un totem. Oui, d'accord. Alexstrasza. Bonne chance. On va juste le taper là parce que ça sert pas à grand chose. Puisqu'au prochain tour j'en ressors une. Je m'en fous un peu. Et ça me sortira d'huile, donc il peut m'en blast aller une. S'il vise bien, il m'en blast peut-être. Non même pas, il peut m'en sortir qu'une. Il a pas suffisamment d'attaque pour ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont moches ces Murlocs ninja. Ils ont même l'étoile de mer et tout. Bon, tu joues Maurice? Allez, mais dépêche-toi. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu me blastes le truc qui fait plus 1 au dégât des sœurs, là. Comment il s'appelle? Et le mage de sang Telnos, c'est... Après, ça devrait aller? Non? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Non? Oui? Oui? Non? Oui? Oui? Oui, tu peux faire ça aussi.
Ah, il me blasse ça. D'accord. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, bien joué, bien joué. À moins d'avoir ce qu'il faut pour... Ah, ça va être chaud, là. 3, 6, 9, 12. Bien joué. Dommage, mais... Et gagné. Bon, mesdames et messieurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge, un commentaire pour donner votre avis. Je prends tous les avis. Donc, ah bah, on va acheter un booster et on va l'ouvrir. Ce sera parfait pour terminer la vidéo. La boutique. Allez, ouvre. Allez. C'est la prairie. Les murmures des dieux très anciens, bientôt retirés de la boutique. Sinon, on a quoi d'autre intéressant? Ouais, murmures des dieux très anciens, comme ils seront bientôt retirés. Hop, voilà. On ouvre le booster, suspense. Ouh, ça c'est intéressant. Infesté, confère Raldagonie, ajoute une carte bête aléatoire dans votre main. Et crit de guerre donne plus ou moins. Ah, ça c'est pas mal, ça pour faire un deck bouclier divin, ça pourrait être très sympa. Et du Cthulhu, donc c'est parfait. Donc voilà, c'était. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, c'était Revan 1000.